du coup là comme mon salon il a fini plus tôt, du coup il y a Atehan qui m'a proposé de visiter Monaco. Elle est là, Atehan. Présente-toi, Atehan. C'est la seule. Je suis Hannah. Salut les gars, j'ai 19 ans comme Lily. Voilà, et en fait j'appelle Atehan parce que c'est bien. Bonjour. Ok, tu les connais? Elle les connaît pas, mais bon, ils sont gentils les gens ici. Atehan en fait elle a le même âge que moi, mais comme j'aime bien l'appeler comme ça, c'est trop mignon. Donc là elle me fait visiter Monaco. Et donc voilà, on va manger. Et je suis trop contente parce qu'en fait il fait tellement beau. Genre je pense il fait 16-17 degrés. Ouais, je pense. Et voilà, alors qu'à Paris, je pense là il doit pleuvoir. Enfin, j'ai quitté Paris pour ce beau temps. Regardez. Regardez le ciel, il est bleu. Il n'y a pas de brouillard, il y a du soleil et tout. Du coup, ici c'est où à Atehan? Office du tourisme. Ah, c'est ici, tout à l'heure tu m'avais dit. Ouais, je pensais que tu étais là. Ok, donc là on est à l'office de tourisme et c'est trop trop beau. Enfin, en soi, tout est beau ici, donc. Donc il est là-bas, l'office de tourisme. En plus, elle se plaint parce qu'elle a dit il fait un peu froid, ouais, alors qu'il fait même pas froid. Elle connaît pas le froid de Paris, hein. Waouh, regardez. Waouh, les palmiers. J'aime trop. Ça s'appelle quoi l'endroit ici? Ça, c'est le pavillon. Ok, donc là, on est au pavillon de Monaco. Et il n'y a que des marques de luxe, par exemple là, il y a Dior. Et regardez les petits sapins, c'est trop beau. En vrai, c'est bien de passer Noël ici, hein, sous le soleil. Là, il y a Louis Vuitton, Chanel. Et là-bas, c'est le casino où on a été la dernière fois avec Emma. Même moi, je suis amie. Même elle, elle est amie d'Ao. Donc là c'est le casino de Monte Carlo. On a été là la dernière fois mais il faisait tout noir, du coup on voyait pas tout. Et là c'est trop trop beau. Et là il y a un hôtel. Atehana elle dit que en haut là-bas, la montagne en haut, je sais pas si vous voyez, ça s'appelle la tête de chien. Je sais pas pourquoi. Ça ressemble pas à un chien. Ça ressemble pas à un chien, mais apparemment ça s'appelle comme ça. Et elle m'a dit si elle avait une voiture, elle va m'emmener là-bas, mais bon. Personne, pas de permis moi non plus. Donc actuellement on est au Gruber, c'est ça? Alors on est au Gruber et en fait c'est un restaurant de burgers. Je ne l'ai jamais essayé, du coup là je suis avec Atehan. Il y a Lance et Tristan. Non, c'est Loïn. Ah ok, bon en vrai il s'appelle Tristan mais il veut qu'on l'appelle Loïn, mais voilà. Donc là j'ai commandé ça, en fait c'est un burger avec des truffes à l'intérieur. Moi j'ai pris le popcorn. T'as pris popcorn? Ouais, je voulais le tester. Popcorn, je sais pas quoi. Oh. Bon, beef popcorn, je sais pas trop. Hein. C'est un peu bizarre, mais faut regarder mon burger, comment il est. Comme ça. Du coup, là j'ai filmé mon first bite du burger que j'ai pris. Très bon. 10 sur 10. Regardez le popcorn qu'il a pris. Ça a l'air bizarre un peu. Hein. Non. Vas-y, goûte et tu dis si c'est bon. Ouais, non, franchement, pas mal. Hein. Ça va? Non, je vois, il est lourd. Hein. Il est lourd. Hein. Et le poulet, il est trop tendre. Sérieux? Il est trop tendre. Mais ça a le goût de quoi? Du popcorn? Non, ça rejoint le croustille du popcorn, tu vois. La ville est beau. La ville est pas mal. Quoi, tu veux un gros? Vas-y. Prends une suite. Et alors?
Première impression. En fait, c'est crunchy, j'ai pas trop le goût de popcorn. Moi, je trouve le poulet, il est frappant. Ça touche tout là. Attends. Voilà. Ça va, tu vas pas le droit encore de pousser. Vas-y, regarde, vas-y, enlève tous, tu les remets après. Non. J'ai pas un Sharingan d'épopée. Ah, t'es trop précipité, Lily, t'as perdu. Écoutez-moi, fin du jeu là. Maintenant, c'est fin du jeu. Regarde bien. Avec mon code promo, voilà, mettez Lloyd 5. Non, la vie avoir, maîtrisée. Ce jeu, franchement, c'est pas très. Mais attends, c'est pas. Oh, le bol écras, c'est le mieux. C'est le mieux. Arrête, attends, tu fais bouger la trame. D'un coup. Oh putain. Et une petite étage, on a. This. J'ai le dos. Il a perdu son gage. C'est en anglais avec des grosses cartes et avec deux meufs. Regardez, il y a qui nous a rejoint. Ah, c'est Hannah. Et elle a froid. En fait, pour eux, c'est un choix. De quoi? Ah, elle est pas bien. Regardez. Waouh. En gros, ça, c'est leur molle. Ça s'appelle comment ici à Tehran? Molle des riches. Aujourd'hui, on est dimanche matin, il est actuellement vers 8h je pense. Je viens de me réveiller, à Tehran, elle m'a fait visiter Monaco, c'était trop beau. Donc merci à Tehran. Donc là, je vais m'habiller, je vais me préparer et ensuite, voilà, go à la gaffe. Bienvenue à bord du TGV. Messieurs, vous avez pris place dans ce TGV à destination de Paris. Je rentre à Paris et ça va être un long voyage. Quand on a été au Bubble Tea, on a joué en fait à la tour. Et celui qui perd, il aura un gage. Et moi, voilà, j'ai pas perdu parce que, en fait, le jeu pour moi, il était tellement facile. Et donc voilà, heureusement, mon salon, il a fini tôt. Du coup, j'ai pu visiter Monaco avec Tehran, qui a eu la gentillesse, en fait, de me tour. Mais c'était vraiment trop bien parce que j'ai vu Monaco la dernière fois. C'était le soir et du coup, là, c'était le matin. Et franchement, si vous êtes jamais venu à Monaco, moi, je vous conseille fortement. Et donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment ici à Nice et Monaco. Et mais en fait, là, il n'y a que moi. Genre, regardez. Personne. Y'a personne. Regardez là. Personne. Je suis un peu triste parce que demain je reprends les cours. Voilà, et je vais appeler papa pour dire que je suis là. Allez, bye. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de commenter, de la partager. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Quelques minutes.